Je vous ai dit, le petit communicant du CNRD, Koulamatié, moi je vous ai dit, vous ne pouvez même pas m'arriver aux chevilles. Vous cherchez à défendre l'indéfendable, ces putschistes narcos, des saisies records. Kebara Andeso Oyira awa c'est bien. Nous encore, on va venir bien laver vos bandits là. Tous les Guinéens sont témoins ici. Tous les Guinéens. Les médias, les Moussa Moïse aujourd'hui, à la présidence des putschistes là, qui est aujourd'hui directeur de la DCI. Tout le monde était témoin ici. L'affaire de drogue, les gens arrêtés. Non, les gens là, les États-Unis n'arrivent pas à contrôler. Les États-Unis ont extradé combien de personnes? L'ancien président de la Bolivie. Des responsables en Guinée-Bissau ont été extradés ici. Donc, vous voulez défendre vos bandits? Le passé de Mamadi, c'est ce qui attrape Mamadi. Vous, les petits communicants, là, que vous voulez défendre, c'est devant tout le monde aujourd'hui, cette histoire de drogue. Oui, c'est devant tout le monde. Du jamais entendu dans l'histoire de la Guinée. Saisi record 3 tonnes de cocaïne. Où Charles White va se flanquer pour dire que ils ont mis le feu sur ça. La population guinéenne, Bira Koulon, Nerena Modirige Fe et Birin, Narko Nanira. Petit, moi, Falaobé, surtout l'aventurier qu'on a rapatrié des États-Unis, Nagambara Yetefindi, CNRD, Inaga Waligo, Inaga Rabalu Mutamuna, Ubara Bafenaki, Watofe. Chaque fois, chaque semaine, nous avons des gens qui ont été au débalan. Donc, on a des bandits qui ont été au Dumbuya. Nous, Amaraï, Bala Samouraï. Il faut drogue à faire. Parce que Amara, que moi, je ne sais pas comment il gagne son argent. Awa, si ce n'est pas son salaire là. Fait marade, drogue fénara. Depuis à Babaratan, Anana Domaine, les dadis là, ils sourent drogue finalement. Et Amara, ils sourent drogue finalement. Et même si vous faites bête marade. Donc, si on vous dit maintenant, à essayer de défendre, à franchement, ce que les gens l'ont dit, ils commencent à croire. Non, dit à Amunaruma, à Bukyoki Famine, Wuletan, ils voulaient Frakyoki. En fin de compte, Miguel Koloman Woulenara. Mamadi Doumbouya était en Hollande. Bira Kolo, Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il faisait en Hollande? Il était derrière qui en Hollande? Mamadi Doumbouya est rentré en Guinée. Les bâtiments dont vous voyez, même les primes des forces spéciales, ils ne pouvaient pas voler tout ça pour construire ces bâtiments-là. À l'aéroport aujourd'hui, le réseau qui est là-bas encore, ce sont les mêmes qui dirigent ça. Où on peut attraper 3 tonnes de cocaïne et il n'y a pas de coupable. Vous pouvez, c'est-à-dire dans quel pays du monde, 3 tonnes de cocaïne dont la valeur marchande, c'est plus de 300 à 400 millions de dollars. Convertissez ça en francs guinéens. Vous allez comprendre. Donc, c'est peine perdue déjà, vous les petits communicants, quand vous allez venir... Et aux États-Unis, voilà, toi le bandit, tu étais ici, tu étais fainéant ici. Toi le blogueur fainéant, tu étais aux États-Unis ici. Ira Guinée, et Guinée n'a rien à te tromper. Parce que tu n'étais qu'un fainéant, toi aussi. Tu étais aux États-Unis ici, tu étais fainéant. Tu étais fainéant aux États-Unis ici. Les Américains t'ont pris. Te rapatrier parce que tu étais dans les affaires louches. Sinon, même les journalistes, personne ne peut défendre l'indéfendable. Sinon, les Moussa Moïse, là, ils savent. Le bar qui a fait le Girassi, ils connaissent les têtes, les vrais narcos.
autant blogueur Koulamatiko, vous allez défendre. Est-ce qu'on peut défendre? Hein? Woulé. Biri n'a fait colo. Bandina Nadjera. Biri Mamadi Doumbouya colo. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il a la force. Biri a colo, Mamadi Gawali. Biri n'a colo avant. Même l'histoire de. La dernière fois. Demandez, c'est qui Bakala? Parce que vous venez vous flanquer, on y a ma fait yakolo. Bakala, comment Bakala est mort? Mamadi Doumbouya, quand il était à la tête des forces spéciales, le colis de Bakala a été saisi. La personne qui a été appelée pour aller libérer, c'était Mamadi. Mais demandez ce qui s'est passé entre Mamadi et Bakala. Mamadi a été récupéré la marchandise, la quantité qu'on a annoncée. Ce n'est pas la quantité là que Mamadi a donné aux petits de Bakala. Les petits ont appelé Bakala. Bakala est décédé, ou ceux qui le connaissent. Il a appelé. Il dit, ah, c'est quoi? Il y a eu beaucoup de discussions. Demandez la suite, ce qui est arrivé à Bakala. C'était son petit. Mamadi était avec lui en Hollande. Ça a mis Bakala en colère. Il ne s'est pas contrôlé. Demandez très bien, ils vont vous dire. Mais la suite, qu'est-ce qui est arrivé à Bakala? Ils ont tout fait. Il a piqué crise. Avion médicalisé, ça n'a pas marché. Donc, demandez. Kaouama, moura aura patron et rapake fala. Moura soyama. Ah non, moi j'aime ça. Comme au fond, depuis que ça a commencé, vous n'étiez pas rentré à défendre l'affaire de drogue là. Ah ouais, c'est maintenant même, je vais bien rentrer dedans. Mais il n'a fait que l'eau. Donc, franchement, c'est la honte. Franchement, c'est la honte. Cette histoire de drogue. Cette histoire de drogue. Comment on peut tout le temps arrêter la marchandise? Il n'y a pas de marchand. On n'arrête personne. Mamadi Kaba a été arrêté ici. Vous qui parlez, vous qui voulez défendre l'indéfendable. Expliquez-nous. Mamadi Kaba, ils l'ont fait fuir devant tout le monde. Charles Ouret n'a pas porté plainte. Charles Ouret n'a pas arrêté quelqu'un. Charles Ouret n'a pas communiqué là-dessus. Autant blogueur. Tu vas parler. Toi, tu as été rapatrié des États-Unis pour des affaires louches. Mara Falaibego. Avec des comparaisons bidons. Et les grandes puissances, les États-Unis, même là, on n'arrive pas à contrôler l'affaire des drogues. Europe, on n'arrive pas à contrôler l'affaire des drogues. C'est la Guinée. Tu vois comment tes analyses sont bidons? Tu vois comment tes analyses sont bidons? Même toi-même, tellement que fouillanté n'ira, que toi tu dis, tu dis aux gens que... Si tu vois que toi, tu es contre le président Alpha Condé, qu'avant, tu as toujours soutenu le président Alpha Condé, mais que lorsqu'ils ont cassé les maisons vers Koya Dubreka, que c'est là qu'ils ont cassé toi ta maison, on ne t'a pas dédommagé. C'est pourquoi toi, tu es contre. Si c'était domaine de l'État, tu penses que tu es le seul? Si c'était domaine de l'État, donc Mamadi est en train de faire pareil aujourd'hui. Pourquoi tu n'ouvres pas ta gueule là pour dire Mamadi est en train de casser? Combien de personnes ont été dédommagées? Regardez-vous les communicants de CNRD ou journalistes. Au début, les gens ont applaudi ici. Ils ont cru que c'était un changement. Sans connaître que le coup d'État était un instinct de survie, c'est des bandits, c'est des narcos. Si les bandits là n'avaient pas réussi à faire le coup, les semaines qui suivaient, le président Alpha Condé allait faire un remaniement et tous ces bandits de Mamadi Doumbouya, les Amara, là, ils allaient tous tomber. Pourquoi ce n'était pas le coup d'État
de tous ces généraux qu'ils ont mis à côté là, pourquoi ceci-là ne fait pas partie du CNRD? Pourquoi 42 généraux, plus de 100 et quelques commandants, colonels, tous ces gens-là, on les a tous mis de côté? Si c'était vraiment le coup d'état de l'armée, c'est l'armée qui avait décidé pour dire non, ça ne va pas, il faut que nous nous levions. Pourquoi plus de 100 et quelques officiers militaires, les 42 généraux, ils les ont mis à côté? Et c'est combien? 4 personnes, Idi Amin, Bala, Amara, là il m'a dit, les 4 là, je vous ai dit, étudiez, cherchez à comprendre pourquoi c'est la connexion des 4. Le dernier voyage de Dr Diané, Amara était là-bas. Voici des menteurs. Si vous voyez qu'il y a eu des histoires, le président Fakonde est condamné, mais tout ça des espions, des gens qui vous ont fabriqué, qui vous ont tout donné, qui vous ont grandi, qui vous ont fait confiance. Des voyous comme ça, des bandits comme ça viennent faire un coup d'état bidon à cause de la drogue, à cause de sauver leur tête, à cause de leur intérêt personnel. Des vauriens réunis. Vous avez quel diplôme? Tous ces gens dont j'ai cité là, montrez-moi un. Vous allez dire oui, il est capable. Tous dans des affaires louches. Que vous allez venir, vous allez sortir pour faire des vidéos. Chaque fois je vais voir vos vidéos, que vous allez défendre cette histoire de drogue, alors moi vous allez m'arranger. Nous avons ma connexion avec Birimbe. Tous les douaniers là, je cite leur nom. Féramine Makianara, je mets toutes les photos ici. J'ai dosé un peu dans cette histoire, parce que d'ailleurs même, l'image de notre pays, pour l'image de notre pays, j'ai dosé à cause de ça un peu. Mais comme Owa Mané, Orana Bandier, et Tayata Kolon, n'en a rien fait la fée. Eux-mêmes, ils le savent. Mamadi peut arrêter qui, dans cette histoire de drogue dont on parlait? On a vu les Dadis ici. On a vu Moussa Dadis ici, le capitaine Dadis. Le général Sekouba Konaté, eux là, ils n'avaient rien à voir dans ce domaine-là. Ils ont maté l'affaire de drogue. Ils ont maté et c'était devant tout le monde. Dadis, tout le monde est témoin ou bien? Le CNDD, est-ce que le CNDD, quelqu'un peut reprocher aux membres du CNDD qu'ils étaient complices de drogue? Non! Parce que c'était leur priorité. Ils ont maté et la communauté internationale, ils les ont aidés. Ils ont été assistés. Le CNDD, est-ce qu'on pouvait parler affaire de drogue? Est-ce qu'on pouvait parler même ou faire ça? Ils les ont matés. Bah, regardez aujourd'hui, vous allez venir défendre quoi? Que non, on ne peut pas contrôler, c'est rentré, c'est sorti. Il y a eu transition devant tout le monde ici, les Dadis. On a tous vu comment le groupe des Dadis ont maté ces gens. Alors vous allez venir dire quoi ici? Hein? Qu'est-ce que vous allez venir dire encore? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je vous ai dit de vous calmer, go. Souvent c'est vous qui faites que moi-même je vais en profondeur. Voilà. Mon adosé, si vous cherchez encore, vous ne pouvez rien défendre. Vous ne pouvez rien défendre. De quelle justice vous allez parler? Ces bandits-là ont tué le 5 septembre. Où sont les corps? Autant fouillanté. Justice, justice. Ils ont fait perdre le corps, disparaître le corps. Alors, Orana Bandier, quel sera leur sort demain? Ils parlent de jugement, jugement, jugement. Quel va être leur sort demain? Qui les a mandatés? Autant Bessemé Narani Ira, Amoudama ou bien Amoukanama. Autant fouillanté, la Guinée fait son cas, autant sacrifier vos dignités. Fais-nous massara, autant nous m'envoyons des son. Autant fouillanté, ne travaillez pas. Regardez, le blogueur du CNRD, autant fils en débat. Autant blogueur CNRD, office en débat. Office en débat, on a wali mundu. On va la voir, autant bara masse obé, on a wali nare. On va la tobara au débat, on nous kelly, oh Damaro, il fait rien, il est aux États-Unis, il est comme ça. Mais autant fouillanté, blogueur CNRD, ou amassé, on a fait une rien. Benira famille, me réattaquer, Amuna Bangi, Amuna Sese, Kaira Vifisa à Kaïbe, Kaïtambara Fendera Bana Kaïbe, Nataïno Madorode, Yafalaiki, Itanga Vimufisa Mirena Rambe,
Il reste ses moufis en rambe. Il refamme moufis en rambe. Il moumriati n'a rang à famille rafé colo. Il t'en rafa d'oro. Il gara situation à kenre. Il refamme la situation à kenre. Il moukatama. Il en améliore. Il fera d'oro. Ko parce que bourré. Dieu critique moi. Nous t'en rafa la main. Khaar limana naura. Alunta fala manaki. Mamadi Doumbouya, il est incapable de donner de l'emploi. 14 500. Ou amassé la Guinée-Kébé. Mamadi Doumbouya a créé combien d'emplois? Nathan, au barande des balans. Justice Kéyafan. Ali Touré est venu se flanquer devant tout le monde ici. Accuser les anciens dignitaires. Docteur Kassoriko, 46 millions. Nafé, au famane, ou amassé mirebe. Autant fouillanté, cobre rafira. Omoke Amatoma. Omoke Amatoma. Omundo. Ande yana. Nde na kure ya tu farisindi. Oya ma mene. Ota mbloge. Kure nande yira mene. Ha? Kure. Velo nande yira mene. Ota fuyante. Onu kele kombi. Ota nga force na kombi nana. Kombi ta. Iye tena dankama. Anu kelira loko na kasono ina ga de de masese munyara ma karamogo anyangale de mon fasori ma fe matode amula fe o sara ke bambe sara ke marade e ga fuyantia nga kombi nu nasi onu ne rebire na bama naki awa onu wule na gambiri montema awa nanam birin kelma wura nanan birin kelma wura o mato damaro der biri 24 sur 24 ana direct na bafe o wule Wado refé oborera mais toujours me gayo damaro matofe. Donc wande ba wa fuyante yara. Hein, wande ba rason. C'est un aide échec nara. Abaragno, c'est fini. Et autant et on vous donne 200 300. Quand ta wama kobri don fe na belebele na ndoma. Ngali tanga kana soma. Mais autant mato fuyante $200. 300 dollars, bon, mini, dix combi, ou les fala, dix qui, al kiam, et au kitimane, au rana oule, kui. Ono kili, mire baba kombi fe, mire nga kombi fe, ou mise sotoma kui. Okuna kana rosono. Ou mise sotoma kui. Donc, aura patron bara échoué, mamadira fait en tanara, biri na kolo. Je me suis dit que présent le Fakondebe. Akana Wouli. FNDC, qui était opposé au pouvoir du président Fakonde, UFDG et UFR, ils étaient opposés au pouvoir du président Fakonde. On comprend, c'est la démocratie. Tout ça, on comprend. Le bandit, ce vaurien, ce légionnaire, qu'on nettoie par les complicités, allait faire une formation d'officier. Créer les forces spéciales pour lutter contre, en cas d'attaque, contre les terroristes. Et Tongo, on le nomme. Et Bangue Tongo, et Soyira, l'Andrea, ce bandit de Mamadi Doumbouya. Le président Fakonde faisait l'éloge de Mamadi Doumbouya devant les plateaux ici, à Didi Rafa. Na voyou se lève un beau matin, qu'au coup d'État, qu'au troisième mandat. Et ce voyou aujourd'hui, c'est Idi Amin, et c'est l'autre là, Paul Kagame, qui est son modèle. C'est le président turc qui est son modèle. Non dynamité. Les Guinéens ne se parlaient pas. Et là, c'est le dans les Namindetou. Sidi Atouré Namindetou. Les gens dont il se disait qu'il est venu défendre, ils n'ont pas mis les Fonike Mangé en prison. Aujourd'hui, on ne les a pas libérés sans raison. Non dynamindetou. Autant fouillanté, ou nous kiloko, vous allez défendre les indéfendables, des bandits, des narcos. Je vous ai dit, le coup d'État était un instinct de survie. Alana et Malia. Et puis je vous dis, si Mamadi a reçu le coup, moi je vous ai toujours dit, analysez très bien la situation du pays. L'opposition a prié, ils ont fait des fatias, que le pouvoir du président Fakonde tombe. Ce sont des musulmans. Et tu es dans un bateau, tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, que le pilote là n'a qu'à périr, que le capitaine tombe. Toi, tu es dans un bateau. Tu es guinéen comme les autres. Tu dis non, le pouvoir là, il faut que ça tombe. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé leurs vœux. Il a fait tomber le pouvoir.
Mais le capitaine est resté vivant, le président Alpha Condé. C'est ce que j'ai dit. L'opposition n'a jamais, ils n'ont pas dit ce qui est bon pour eux quand la face là. Maintenant, ils ont dit les noms. Que à la face que le président Alpha Condé, son pouvoir tombe, le docteur Kassori. C'est comme ça. Ils ont lu des fatias comme ça contre le pouvoir. Là. Mais les conséquences, le bateau a coulé. Mais ceux qui étaient les passagers, tout le monde a été victime. Et là, celui-là, on l'a fait sortir de sa maison. Les jeunes de l'Axe aujourd'hui, on est en train de les tuer. Sidi Touré, pareil. C'est pourquoi je vous ai dit. Mamadi n'a pas de bénédiction. Wallah, c'est nous-mêmes les Guinéens. Le problème, c'est nous-mêmes. Et c'est dans le Coran. C'est pas discutable. Qu'Allah soso barawara là, Allah est massageur les dilemmes. Mremoulak Allahra et l'âme est radouau nakan et mouna rabama. Wallah, Allah m'engagne à rien mouma. Allo na Mamadi Doumbouya. Nde no ma faladi Mamadi Doumbouya karang. Bandi no ayete. Nde no ma faladi Mamadi Doumbouya a fait faire rabama. Fait kobi doro. Futilité doro. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vous ai dit, votre Mamadi Doumbouya là, nous, on connaît aussi la suite. Comment il va mal finir. Ça a servi de l'exemple. D'une part, on va dire qu'il a fait du mal au président Alpha Condé. Ces gardes qui sont morts là, le président Alpha Condé, ça va toujours lui faire mal. Les Seydou qui étaient auprès de lui comme ses enfants. Quand il pense à ces gens, ça va lui faire du mal. Mais d'une part, s'il n'y avait pas ce coup d'État, les Guinéens n'allaient pas comprendre que ah, déjà, le président Alpha Condé était capable de quelque chose. On met 14 500 personnes à la retraite. Ils sont incapables même de recruter 100 personnes. Démagogie sur démagogie. C'est à travers ce coup d'État que les gens voient. Ah ! Déjà, le président Alpha Condé, il avait peur. Il avait pitié. On comprend maintenant déjà, la fermeture des frontières. Quels sont ceux qui étaient les hommes de confiance du président Alpha Condé? Ce n'est pas eux qui l'ont trahi. Qui disait au président Alpha Condé? Ce n'est pas les militaires. Il faut fermer la frontière vers le Sénégal, qu'il aura tenu ceci, cela. Quand ils ont fait le coup d'État, ils n'ont pas ouvert. Pourquoi ces mêmes personnes, ces hommes de confiance du président Alpha Condé, n'ont pas dit au président Alpha Condé, non, il n'y a rien, ouvrez les frontières. Je vous ai dit ce complot-là, analysez. Vous ne les attendez pas que le président Alpha Condé n'était pas le problème, que c'était son entourage, parce que eux, ils étaient dans l'affaire de drogue, on les empêchait de dormir. Bon, voilà Saïfou Ba qui dit que nous sommes le 13 aujourd'hui. Je vous ai dit, affaire de salaire, là, vous n'avez rien compris. Moi, je suis tranquille. Les 2 mois, 3 mois à venir, si le bandit est là toujours, alors c'est là les vraies choses vont commencer. Wallah, les militaires, ça va tirer dans les camps. Billahi, parce que je vous dis, c'est des vauriens. Peut-être c'est l'argent de drogue qu'ils vont prendre pour compléter. Sinon, emu no matino. Regardez les taxes douanières. Regardez les hommes d'affaires aujourd'hui, ils ont presque vidé la Guinée. La douane n'arrive plus à faire assez de recettes. Ceux qui sont à la retraite, quand vous prenez l'argent qu'on dépensait à leur niveau, c'est près de 40 milliards de nos francs par mois. Les bandits n'ont pas cet argent-là pour pouvoir recruter, faire certaines choses. Mara Falaobé, on a affaire à des vauriens, à des zéros. Mara Falaobé, emu no mato, emu no matina. La Guinée enfin, ce côté, Mrenere Moukarang et Mounom a comprendé. Et n'a donné Doro dans Tongo Fédilère. Ils sont en train d'endetter. Et donné Tongo, ils mettent leur nez, leur bouche, ils s'agit. Fait, et Mounagan Nanyom. Pour que, Mre Gafala, Mamadina Wali fait. Pour que, et Gafala, Adere, Alol, Elay Sakuna, et Naganfala, Dadis Ratan. Dadis pour toujours. Awa, il y a démagogie préparation, Naki. On voit des choses qui n'ont pas d'importance pour dire que Mamadi est en train de travailler. Mais ce qui est important, c'est de donner de l'emploi aux Guinéens. Mere dégué, mere eras salaire soto. Menge birenga wali singe nananana. Créer l'emploi aux États-Unis ici, à Folon Mananama, après 3 mois, 6 mois. Et menge évaluer Mananama. À condition de travail, à combien d'emplois créer. Be menge. Il faut la maintenant, parce que le barrage nana, c'est bébé nana. Mais président Alpha Condé, tout était prioritaire en Guinée. Koura Mouna, Yé Mouna, hein? École Mouna, Sese Mouna, Mouyan Outima, guichet unique, président Alpha Condé, Fouyanté et Rafa, pour venir faire ces trucs pareils. Voilà.
Bon, ceux qui parlent du retour de mon beau Elie Sélodalin, Billah, si moi j'étais, si j'étais à la place de mon beau, si j'étais conseiller direct de mon beau, Billah, mon beau n'allait même pas sortir la Guinée. Elie Sélodalin n'allait pas sortir. Parce que moi, je l'ai toujours dit, si Elie Sélodalin avait compris depuis longtemps, travailler avec le président Fakonde, Billah, cette histoire du premier mandat de la 4e République ou bien du 3e mandat, Billah, le président Fakonde n'allait pas le faire. Si Elie Sélodalin avait travaillé, regardez au Libéria, on a vu Ellen Johnson, celle qui était la présidente du Libéria, laisser son parti parce que George Weah a accepté de travailler, de la laisser terminer ses deux mandats. Ellen Johnson a laissé le candidat de son parti pour soutenir George Weah. George Weah n'a pas gagné. Souvent, il nous fait faire un rabat. La personne est obligée de te rendre la monnaie. Mais il n'a pas la méritoro. Lui, il a la force. Il a fait un rabat. Il t'en a perdu. Il y a des gens qui ont poussé Elie Sélodalin, ils l'ont induit. Et même, ils l'ont trompé encore pour le faire sortir. Parce qu'ils savent. Miguel Omar Fola Makou, ils ne peuvent pas arrêter Elie Sélodalin. Ils vont l'arrêter, mais ils vont le libérer. C'est comme les Fonike Mangue. C'est le fer qui coupe le fer. Ils vont arrêter Elie Sélodalin. Ils n'auront pas la paix. Le pays ne sera pas tranquille. Leurs militants, ce n'est pas comme les militants du RPG Arc-en-Ciel. Eux, ils n'attendent même pas. Quand ça a chauffé, là, ils n'ont pas laissé les Fonike Mangue. Ah ouais, c'est pareil. Ceux qui disent, Elie Sélodalin, ils vont l'attraper. Mais Billah, ils vont le libérer. Akrama Aldab Lafana. C'est comme ça. Ah non, c'est rentré. Hey, Billah, ils vont l'attraper, ils vont le libérer. Ils vont encore le respecter de plus. Tout le monde n'a pas vu les Fonike Mangue aujourd'hui. Ils ne les ont pas blanchis. Pourquoi ils les ont mis 9 mois en prison? Comme Manamanali. Ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est de nous diviser. Billah, si c'était moi, Elie Sélodalin n'allait pas sortir. Toute cette pagaille-là, c'était déjà fini. Si vous voyez qu'ils sont en train de communautariser l'affaire là, hein, ne vous mettez pas sur les gens de l'UFDG, c'est rentré, c'est sorti. Des futilités. Tant qu'on n'a pas un pouvoir civil, il y a des bêtises. Non, de n'importe quoi seulement. Donc, moi je le dis, hein, tous ceux qui sont en train de parler quoi là. C'est ces bandits-là qui vont comprendre. Ils ont trompé mon beau, ils l'ont poussé, ils l'ont fait sortir. Voilà, nanani, nanana. Et quel est le vrai politicien qu'on n'a pas mis en prison? Quel est le politicien qu'on n'a pas mis en prison? Les grands leaders politiques qui n'ont pas mis en prison. Attendez, je vais bloquer ces enfants innocents-là qui n'ont rien compris, des idiots-là. Vous qui venez de naître, vous n'avez pas connu le passé. Vous pensez que c'est les idioties là, passeport diplomatique pour grimper, ou je ne sais pas, des futilités. Vous pensez que c'est ce qui avance un pays? Vous pensez que c'est ce discours des futilités là qui avance un pays? Demandez dans quel trou la Guinée était en 2010 et maintenant. Si vous voyez aujourd'hui, vous partez, vous avez ces Blue Zone, Plaza Diamond. Si aujourd'hui, l'image de notre pays, l'électricité, les Maliens, les torches Nokia 1100, avant, on appelait ça Conakry. Tout ça, c'était de la moukiri pour dire qu'il n'y avait pas de courant chez nous. Qu'il n'y avait pas de route, rien du tout. Mais regardez notre pays aujourd'hui. Même si les autres, ils sont un peu en avance que nous, nous aussi, on peut parler. Mais ça ne vous dérange pas de dire que c'est un bandit comme ces gens-là. Regardez l'image. Prenez le Burkina, vous prenez la composition du gouvernement de Ibrahim Traoré ou bien de Assimi Goïta et vous prenez les bandits qui sont là aujourd'hui. Regardez la composition. Même les hommes, quand vous regardez, les autres, le respect s'impose. Et par rapport à des faux types, chez nous, démagogie sur démagogie. L'école, l'école en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal, est-ce qu'on peut comparer? Chez nous, il y avait eu un changement. Regardez la démagogie qu'ils sont en train de faire, que les examens, caméras, en train de fouiller les petites jusqu'à un certain niveau. Vous pensez que c'est ce qui avance un pays? Démagogie pareil. Un pays où le ministère de l'éducation, ils sont incapables de payer les enseignants contractuels aujourd'hui. Ceux-ci sont abandonnés, plus de 15 000 personnes.
On ne parle pas de ça. C'est des futilités, caméra. Oui, examen, on veut réussir. Comment vous pouvez former des gens si les formateurs ne sont même pas dans les conditions, si les formateurs ne sont pas payés? Des futilités, on ne parle pas de ça. Parce que c'est vaurien, là, ils sont incompétents. Toi, tu es banni, c'est Kosiaka. Quoi là, j'étais banni. Qu'on de faire attention. Attention à quoi? Quand ton bandit de Mamadi Doumbouya s'est levé le 5 septembre, allait faire le coup d'État au président, il a fait attention. Il a fait attention. Alors, il a connu cela. Moi, je vous ai dit une chose. Si je prenais l'argent avec quelqu'un pour venir ici m'asseoir, faire certaines choses, voilà, j'allais avoir peur. Si on me tuait dans ça, Billoy, dans ce que je suis en train de faire, je n'aurai pas de regrets et je ne veux même pas que quelqu'un regrette pour moi, à part prier seulement. Si ces gens-là arrivent, moi, à me tuer, Billoy, c'est avec fierté, parce que je suis la vérité. Voilà. Donc, si vous pensez que... C'est ça que vous n'avez pas compris. Hein. Quelqu'un qui a su le mensonge, lui, il a peur. C'est comme le voleur. Il va pour voler, il a peur, il se cache. Vous m'avez vu aux États-Unis ici. Vous m'avez vu aux États-Unis ici. Même si j'ai mon visa pour l'Espagne, là, j'irai assister au match de Guinée-Brésil. Là. Vous pensez que moi, je vais me cacher? De quoi? Ce que je suis en train de faire, c'est réel. Ce qui se passe, c'est ce que je dénonce avec des preuves. Vous pensez que j'ai peur? Je vais avoir peur de ces gens-là. Wallah, je n'ai peur de rien. Ça, je vous dis. Hein. Si on devait avoir peur, deux voitures, ils ont gâté. Vous avez vu ce qui s'est passé encore avec mon colocataire. Vous avez vu tout ça. Si je devais avoir peur, là. Si c'est un jeu de papa, maman, là, ils ont fait. Moi, mes frères, ils sont conscients. Si c'est moi, Damaro, je me levais pour insulter des gens ou provoquer des gens, ça allait faire mal à mes frères. Mais ils savent que le combat que je suis en train de mener, c'est noble. Sinon, c'est mes propres frères d'abord. C'est eux qui allaient me dire, non, arrête ça. Quand tu es sûr, la vérité, les gens voient cela. Oui. Donc, arrêtez vos bêtises là. Ok. Mani, pourquoi là, je viens de te bannir. Comme tu es maudit là, tu viens insulter ici. Toi aussi, tu es banni. Moi, je vous ai dit, je ne vais pas répéter vos bêtises, vos insanités, mais moi, je vous bloque ici. Hein? En tout cas, les jeunes recrues, coup force spéciale, si vous devenez des escadrons de la mort du bandit, vous avez tous suivi son discours du 5 septembre. Vous avez tous suivi cela. Et il a été clair que quand il s'agit de défendre l'intérêt de la population et l'intérêt de l'autre, voilà. Donc, je vous ai dit. Donc, ne sacrifiez pas vos vies. Où se trouvent les Michel aujourd'hui? Les Dadis? Les Toumba? Donc, si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous vous laissez manipuler à cause de ces miettes. Donc, franchement, c'est grave. Merci à tout le monde. Le combat continue. Il est Abaka Sidiki Kondé. Nkalo Kondé Yere Urotili. Ne te craie la kanyaka la de. Ne fanka mina, ne ole kelate. Donc, alina la nafia kuma ou louni fenro, kone wa la gina kokata salike. Ndiwa la gina, ndiwa siye yere, ou wati barasela, ou di kefana. Aha, nka ole fali nyeno. Nko, les bandits là, ils ont fait leur coup, mais ils ont cru que les journalistes qu'on voyait avant, les grandes gueules, que ceci pouvait tromper le peuple de Guinée pour leur cause. Ils n'ont pas pensé aux blogueurs. C'est Dieu qui a fait que Benito est là. C'est Dieu qui a fait que Fatou est là. C'est Dieu qui a fait que Matou est là. Dieu qui a fait que moi, le général 5 étoiles, je suis là. Dieu a fait que Tidiane qui ont soutenu au début, eux aussi sont là aujourd'hui. Donc, Allah le Kaoke, Alou Tasekoteoro, Mamadi Masabedinema, Kanaya, c'est Dieu, Allah le Kaobeke. Koko Kela, quand il est né Douma, si vous voyez que je suis là, c'est Dieu. Donc, Koko Ting, Allah la Beifana. Donc, arrêtez, Allah na fia kuma ni fumuru. Bi, Fanka mia l'ouburo. Nko, allez, j'ai ma crème, tu n'étais présent, Fakoneko. Ko Bena Watilo.
Mohamed Tufanata à l'ombre à Banaloumla. Le jour que Dieu va dire, frère, c'est fini, c'est Koun Fayakoun. Paf. Vous allez voir ces bandits-là aujourd'hui, demain. Donc c'est question de temps. Alou Yerekalon, Kwanou Yemikela, Kwanye Tienne Koka. C'est eux qui veulent se cacher. Sinon, tout ce qu'on a dit, c'est Abemake. En cas de souffle, bandit Mounakoro. Alou Sono, Abemake. Vous n'êtes pas des candidats. Vous n'êtes pas des candidats. Les candidats potentiels dans un pays, vous ne voulez pas appeler ces gens-là autour d'une table. Des gens qui sont écoutés. Tu le veux, tu ne veux pas. Et la seule chose est écoutée. Tu veux, tu ne veux pas. Le président Alpha Condé est écouté. Tu veux, tu ne veux pas. Sidi est écouté de l'autre côté. Vous ne voulez pas appeler ces personnalités dans un pays. Allah est là comme mon bala, Maloya, les mots, des fouillantés comme ça. Allah sababu boni, moi, mon bala. Continuez vos bêtises. Mala falignane. Ko bena wati. Alta fono, à l'ombre sera à la bourlomna. Wallah. Bédalier. Tous ceux qui parlent Mamadi Assinita, ceux-ci-là seront les premiers, ils seront les premiers à venir encore insulter qu'il était têtu, il n'a pas écouté. Beaucoup aujourd'hui qui parlent aujourd'hui, qui sont là à faire l'éloge de Mamadi, ils sont là parce que eux, ils gagnent, leurs parents gagnent. Mais demain, vous allez voir. Moi, tout le monde m'a vu ici le passé. Je me suis levé ici, aller en campagne. Ce n'est pas le RPG qui m'a payé. Je suis allé et je suis revenu encore aux États-Unis continuer mes activités. Parce que d'autres ici, ils étaient là à raconter des salades. Oh, c'est l'enfant de Damaro. Oh, c'est tant. Mon oncle ici aux États-Unis, on ne s'est jamais vu d'abord. C'est en Guinée. Mon oncle ici aux États-Unis, quand il était là, nous ne sommes jamais vus. Donc, pour beaucoup ceux qui ne savaient pas. Les gens se mettaient ici à raconter des salades. Voilà, si vous voyez, il fait son combat. Si vous voyez, il fait son combat. Il fait son combat. Et ça fait d'argent, ça fait de Facebook, c'est rentré. Mais au fil du temps, vous avez arrêté de parler de tout ça. Vos conneries là. Donc, merci à Lucene Condé, merci à Laïbra Manabé, merci à mon grand M.U. Mousto, merci Alaï Ibrahima Nabé, Yaraya Bamamou, merci à vous, merci à Djabobo, merci à Lorraine Abba, merci à mon frère Soropogui, merci à Suleiman Kamara, voilà. Yero Telemile, Diallo, merci à vous, merci. Merci à Faro Kamara, Mohamed Djawara, merci à vous. Cheikh Elhaj Hassan, merci à vous. Merci à Ismaël Kamara, merci à vous. Ouma M.K. Barry, merci à tous les patriotes, à tous les combattants. Vive les forces vives. Senkou Djouba Kamara, voilà. Merci. Tchernos Saïdou Telibé Diallo, merci. Boubadjan Diallo, merci. Senkouyaya Balde, merci à vous. Ibrahim Matanjan, merci. Le combat continue. Restons soudés jusqu'au départ des bandits. Mohamed Lamine Girassi, merci à vous. Mamadou Diallo. Djamanati Kama, merci à vous. Abaka Sidiki Kondé, moi je ne suis pas comme vous. Ne naloute kerenye, mara folignene, fisri l'homme balitene. Ne bara folignene. Alakana ne miriam ma farine. Ne ma seke kafobutoko, la geneka, moluyal brodi nyoma. Alakana nanke, fisri l'homme balie quoi. C'est-à-dire, alakana mbla groupe l'euro. Kwanye faker saloukere, anya keta. Alakana miriam bla na quoi. Momo disse la gine la avance la, ne la souhaite ou le quoi. Ne doit ou le quoi. La gine korobutu. Voilà. Moi, je vous ai dit, mon vœu, c'est de voir ce pays-là. On a des routes, des trucs, mais Allah soukerewe. Mara ou le falignane, si Dieu, si nous-mêmes, de toute façon, nous sommes mauvais, là, Allah nous donne la chance de nous repentir, de lui demander pardon pour avoir le paradis. Si Allah ne nous avait pas donné cette chance de lui demander pardon, de nous repentir, et nous, les êtres humains, avec, c'est-à-dire, Nyangboya Miyandu Sukuna, Alu Mamadi Nyangbo, Lufisilom Bali, Lumo, Mokuntanu, Aluka Komike.
anye jamana ya situation minote ni fisrilom bali lutumamike entre dibla orobi. Vous dites que l'autre n'est pas bon, les autres ne sont pas bons. Qu'est-ce que vous avez apporté comme changement? Alka Mouké, pour que nous n'arrivons plus à parler. Moi, je pensais que Mamadi allait faire le bonheur à travers la démocratie, que le Folke Mangé n'allait jamais être arrêté, et la Solidale n'allait jamais avoir des problèmes. Et le RPG, c'est-à-dire, il parlait de amour. Nous, on allait voir autre chose. Malmiria, tant que Mbra Foualignéné, tant que vous avez dans le cœur, que ce soit du côté de UFDG, ANAD, du côté du RPG, du côté du UFR, tant que vous avez la haine, c'est-à-dire l'affaire de communauté dans vos têtes, wallah, la Guinée n'ira nulle part. Nous serons toujours en arrêt. Et nous allons tous perdre ensemble. Et nous allons payer les conséquences ensemble. C'est tout le monde qui est en train de payer aujourd'hui. C'est tout le monde qui est en train de payer aujourd'hui. Mais comme vous ne comprenez pas, donc, Allah tient bien, mais mon écho le faut. N'a pas fait mourir Boribé, Allah Ranaraba. N'a pas fait mourir Boribé, moi c'est ma prière. Bira Kolo, nous t'avons présenté le fait qu'on le fait. Mriono Berenara, ni bloqué Mananya Moun. Nya, tu m'appelles en prévenu combi mané. Mais, mon vœu, c'est de voir ce pays avancer. Hein? Voilà. Donc, attendez, je vais bloquer ces maudits-là. Al-Djole, le président Alpha Condé a trahi. Al-Djole. Al-Tre Djamana Mikonaya. Courant tout est Djamana Mikono. Moi, je suis Barazi Djolke. Al-Djole. Si Mandou était vendu, Mbara Fisrulom Bali Luyela, Kafri Luyela Koumadoul Fola. Al-Djole. Ce pays-là, il n'y avait même pas de barrage. Garafri Mikela Ouma reçu. Soit petit Kaleta. Al-Djole. Nalie Djusuma Minabi. Nali Jusuma Minabi, Al-Djole. Al-Djole ka obefofew. Nala Mamadi ka fankasoro. Nal kake Mamadi matolabi, Al-Djole. Ni force spéciale tunte. Nala banditien, natre disse okala, Al-Djole few. Mais, Fisrilom Bali saraye alaburu. Fisrilom Bali saraye alaburu. Allez ala Fisrilom Bali akam befo. Ni Mamadi le tout ka présent Alpha Condé ke. Ni Mamadi le tout ka Mourfata. Ka présent Alpha Condé la si. Présente Alpha Condé te la djafa. Wallahi, moi je suis oui, aka djanfa, aka ketam. Président Alpha Condé m'a blaladé. Depuis longtemps, le bandit l'on devait l'arrêter. Mais président Alpha Condé a la confiance de le bandit qui est. Al-Djole ka la fils l'on bali akam befo. Al-Djole ka obefobi. Allez, wallah fils l'on bali akam befo. Eh, amma fali yon kadi la bati yema. Eh, tiens, chien, mabra bokbero. Djelman TV, merci mon grand. Alors, à nous connaître le follow. À l'outa et nénile, ou bien manamana kanfo, à nous d'outa, et à nous d'outa ou le kelao. Eh, j'aimana la hére komino, à nous ou le fait. Anta ma soukouro, foui foui. Moi, me noutera ma soukouro, blogueur soukere lalou. Et il faut les voir aujourd'hui. Parce que c'est purement communautaire. Ceux qui étaient communautaires parmi nous, les blogueurs du RPG Arc-en-Ciel, regardez leur position aujourd'hui, vous allez bien comprendre qu'ils soutiennent leur bandit juste pour l'affaire de communauté. Sinon, ce n'est pas pour la vérité. Hein? Donc, Alpha Mamadou Diallo, merci à vous. Abaka. Oui, Koboubadjan Diallo, avec les barrages, Konakri n'a même pas de courant. Tu as raison de dire ça aujourd'hui. Et Fisri Lombali, Ijo le Kaofofeu. Ijo le kafo kokuranté fe ijo le kafo. Allo fisri lombali. Non, ijo le, tu as raison de dire ça. Parce que l'ingrat fait toujours exprès. L'ingrat fait toujours exprès. Alfalou tiré, nalou cela ka kodoke. Alfalou tiré, ni courant kokuma trefola. Alfalou tiré, ni démocratie kokuma trefola. Allo ijo le fe kafo bi. Ne ka moya fola ko non, la liberté c'est rentré. Ngo président Alpha Condé. Alors là yene la sana konté là. Altera wala etudialu boroni selu kala kankan do demi wuri kakuma watio kude isim telefona mo si makuma prefere utere no mira kuma bradia lunya mo si tunte kuma law al politicien sous sous te albert rien mo si makuma ngo president Alpha Condé le nané be isa ona kanfo be idi ana kanfo al jole few fisri lom balilu al jole ah
Regardez encore ce, le même Amadou Barry. Quand je vais finir, tu m'embêtes. C'est à cause du troisième mandat. Oui, c'est vraiment à cause du troisième mandat. Oui, c'est à cause du troisième mandat. Mamadi a fait le coup feu. Quand Mamadi a tué les jeunes au camp Alpha Yaya, vous avez tous vu les vidéos là. Ils n'ont pas dit qu'ils ont voulu empêcher le troisième mandat. Vous avez oublié. Quand Mamadi a tué les gens à Kindia là, vous avez oublié. Non, 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 c'est bon. C'est à cause du troisième mandat. Mamadi a fait le coup d'état feu. Et c'est encore votre bandit de sauveur. C'est Paul Kagame qui a son cinquième mandat. Que votre bandit prend le nom du pont que le président Alpha Condé s'est battu chercher les financements de Kabylé. Votre bandit encore, il donne le nom à quelqu'un qui a son cinquième mandat. Oui, c'est à cause du troisième mandat, Mamadi a fait le coup d'État. Ce bandit se lève pour aller en Turquie, où se trouve le président Alpha Condé, qui a fait que le port de Conakry était le premier de l'Afrique de l'Ouest. En rapidité, tout. Oui, c'est à cause du troisième mandat. C'est à cause du troisième mandat. Je ne vais pas attaquer Mombo pour ne pas qu'on refuse de me donner Rama. Donc, c'est à cause de tout ça. Regardez, troisième mandat fait où? La Fonike Mangue qui a dit ici, non, 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 pas de troisième mandat. Oui, c'est à cause du troisième mandat. La Fonike Mangue sont en prison. Dans Kadé, ici, tu ne connais pas les bandits là, asseyez-vous. Des bêtises comme ça là. Oui, c'est à cause de ça même. Nous, on a compris, c'est à cause de ça. Vous avez parfaitement raison, c'est à cause de ça. Mamadi le démocrate. Oui. Bandilou, allez-y, qu'on aura fricale là.